Salut, c'est Vincent. Je suis seul aujourd'hui face à l'intelligence artificielle de Vicomte du Royaume de l'Ouest, le jeu de Shem Phillips et S.J. McDonald, édité par Pixie Games. J'en profite pour remercier à nouveau l'éditeur, Pixie Games, de nous avoir envoyé ce superbe jeu afin de pouvoir vous le présenter. Vous avez pu voir sur la chaîne il y a quelques jours une partie en duo avec Mister Lou. Et d'ailleurs, j'en profite pour féliciter à nouveau Mister Lou pour sa victoire. Très serré, cela dit. Et aujourd'hui, je joue face à l'automa de Vicomte du Royaume de l'Ouest. Eh bien, ça va pas être une mince affaire non plus parce qu'il est relativement coriace. Je vais procéder à la mise en place du jeu et je vous retrouve tout de suite après le générique. Et voilà, la mise en place du jeu pour la partie solo est presque terminée. Et on retrouve une mise en place quasiment semblable à une mise en place pour une partie à deux joueurs. Donc, après notre partie en duo avec Mister Lou, je ne vais pas réexpliquer l'ensemble des règles là ici aujourd'hui de Vicomte du Royaume de l'Ouest. Je vais plutôt principalement me concentrer sur les règles de l'IA, hein, puisqu'aujourd'hui on va jouer contre une IA. Comment s'appelle-t-il d'ailleurs? Ben, en fait, il n'a pas vraiment de nom, hein, je crois pas. Mais par contre, l'IA a son plateau, son propre plateau de joueurs, qui se trouve ici. Et on voit que l'IA a également ses 9 bâtiments, tout comme moi, sauf que ses maisons de corporation, les bâtiments qui rapportent le plus de points, sont positionnés ici à gauche, puis ses comptoirs, puis ses 3 ateliers. Et en fait, à chaque fois que l'IA va construire un bâtiment, il va prendre le bâtiment le plus à gauche qui n'est pas encore construit. C'est pour ça qu'il va construire en priorité ses maisons de corporation. Alors, le plateau de l'IA est à peu près similaire également au mien. Simplement, on voit que l'IA donc a ses 20 ouvriers tout comme moi. Il a son vicomte prêt à l'action. Il a ici une pioche, pardon, de carte planification, comment principale, je crois, hein, que ça s'appelle comme ça. Oui, alors, attendez, je vais vous dire ça. Ce sont les planifications de départ. Et puis ici, des planifications futures, des cartes qui vont venir intégrer, sa pioche par la suite du jeu. Voilà. Donc en fait, je vais remélanger, tiens, cette pioche-là au début. On s'aperçoit, alors j'ai choisi un plateau IA, pas au hasard, je l'ai choisi. La priorité de l'IA, a priori, pendant cette partie, ça va être d'aller recruter et de retourner des cartes dette et des cartes actes de propriété. En l'occurrence, lui, lorsqu'il recrute, finalement, il ne recrute pas vraiment, il rajoute une carte planification future à sa pioche ici de départ. Alors, l'IA a sa petite carte dette de jeu qui se trouve là. Également ses marqueurs corruption et vertu. Et puis on voit que sur le plateau, l'IA va considérer toutes les ressources, encrier, pierre et or, comme étant identiques pendant la partie. Et d'ailleurs, il commence avec une ressource au choix. Je lui ai donné donc au hasard une pierre, puisque pour lui, pierre, encrier ou or, c'est la même chose. Également, il commence avec 2 cartes actes de propriété et dette, comme indiqué sur son plateau. Et donc, je les ai placés déjà ici. Et j'ai retiré de la pioche planification de départ les cartes qui se trouvent indiquées ici sur son plateau de joueur. Alors là, j'ai choisi ce plateau de joueur pour l'IA, mais il y en a d'autres avec d'autres priorités de jeu. Certains IA qui vont plutôt aller construire des bâtiments, d'autres qui vont plutôt aller transcrire des manuscrits ou placer des ouvriers dans le château. J'ai pris celui-ci, c'est ma deuxième partie en solo, ici aujourd'hui en vidéo, et donc je n'ai jamais joué contre cette IA, on va voir comment il va se comporter. Donc sa carte d'aide de jeu, et puis bah écoutez, moi j'ai également mon plateau de joueur de ce côté-là. Donc mes cartes de départ, villageois de départ, mes bâtiments répartis sur mon plateau, mes 20 ouvriers, mon vicomte, prêt à l'action également. Ici, nous avons les paquets de cartes dette et actes de propriété. Il y en a, comme pour une partie à deux joueurs, 12 posés au-dessus de chaque carte pauvreté et prospérité. C'est le compteur avant la fin de la partie.
Ici, la carte maître du château, l'IA peut tout à fait s'en emparer, tout comme moi. Ici, les cartes bonus clergé, si on collecte trois manuscrits de la même couleur, et l'IA, là aussi, peut s'en emparer, il n'y a pas de souci. Mes ressources, la pierre, les encriers, l'or, les pièces d'argent, et puis, sur le plateau principal, c'est-à-dire dans le royaume, eh bien, j'ai disposé, comme pour une partie à deux joueurs, des piles de manuscrits dans les cinq territoires du royaume, ainsi que des piles de cartes villageois qu'on va pouvoir aller recruter ou éliminer. Et le château donc se trouve au centre. Voilà, donc à peu près tout. Il y a une chose encore à faire pour la mise en place de cette partie, eh bien, c'est d'aller piocher au hasard deux cartes personnages de départ. Alors, on en voilà une et puis une deuxième. Je vais choisir une paire en premier et l'IA prendra la deuxième paire. Enfin, ça va simplement lui permettre d'aller placer son vicomte. Alors, donc, je vais faire comme ça et là. Voilà. Comme ça, c'est tout à fait au hasard. Je vais retourner les cartes. Alors, qu'est-ce qu'on aura? L'emplacement 1, l'emplacement 10, d'accord. Et ici, donc, Clovis ou Judith. Alors, je regarde un petit peu ce que ça donne. Judith pour la construction avec des encriers, pas mal de pièces. Ouais, je pense que je vais prendre Judith, moi, en ce qui me concerne. Donc, je vais prendre cette paire-là. Et pour l'IA, ça va simplement indiquer où débute son vicomte, c'est-à-dire sur l'emplacement numéro 10, là. Donc, je vais tout de suite aller le placer. Bah, l'emplacement 10, il est là. Donc, l'IA va commencer là. Voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'on fait pour l'IA. Ces cartes-là, je peux les ranger désormais. Voilà, hop. Et puis, en ce qui me concerne, je commence sur l'emplacement numéro 1. Donc, l'emplacement 1, il est où? Sur le plateau, là-haut. Voilà, très bien. Je commence avec une pierre. Alors, je vais rapprocher les ressources quand même. Une pierre. Deux encriers. Combien de pièces d'argent? 5, 8. 8 pièces d'argent, ce qui est pas mal. 1, 2, 3. Alors, 2, 4, 5. Ok, voici. Ainsi que deux cartes actes de propriété que je prends en dessous du paquet, évidemment, hein. Ainsi qu'une carte dette. Ça, c'est moins arrangeant. Encore que si on la retourne, ça permet de gagner une ressource au choix. Voilà. Pourquoi pas. Très bien. J'ai laissé mes paquets constitué et je commence également avec une vertu comme indiqué là sur cette carte, donc je vais avancer mon marqueur vertu vers la gauche. Voilà, donc ça c'est fait, je retourne la carte, ça devient ma carte d'aide de jeu. Mes ressources, je vais les mettre là, comme ça vous les verrez pendant la partie. Et Judith, ben, je vais aller la mélanger à mon paquet de départ. Les autres cartes, donc je vais les remettre dans la boîte. Voilà, on n'en aura plus besoin. Très bien, donc je mélange ce paquet et en mode solo, on est toujours le premier joueur. Donc c'est pour ça d'ailleurs que j'ai pris le marqueur qui est là. Et je vais donc pouvoir commencer en premier. Ok, donc. Alors il y a plusieurs petits effets qu'il ne faut pas oublier pendant la partie solo. Et d'ailleurs, bah, je vais peut-être vous les rappeler là. Puisqu'on va aller voir la carte d'aide de l'IA. Et j'ai ma petite aide de jeu du mode solo. Alors, il faut savoir que donc l'IA a des comportements un petit peu particuliers quand même. Chaque fois qu'elle obtient un effet de réarrangement ou de pièces, elle va plutôt aller prendre une ressource au choix. Et pour elle, on sait que chaque ressource, chaque type de ressource, vaut la même chose, on va dire. Dans la colonne 2 ici, on voit que chaque fois qu'elle doit détruire un villageois, c'est-à-dire le bannir, quoi, hein, le détruire, ou alors que sa pioche planification future est vide alors qu'elle doit gagner une carte, elle peut retourner une carte acte de propriété ou dette à la place. Là, dans la troisième colonne, on voit que à chaque fois qu'elle peut retourner une carte, mais qu'elle n'a pas de carte à retourner, elle va gagner une vertu à la place. Elle gagne également une vertu quand il lui demandait de défausser une carte ou qu'elle gagne un déplacement gratuit d'ouvrier. Voilà. Et puis, vous verrez la façon dont l'IA retourne des cartes. Lorsqu'elle a le choix, elle tente toujours de retourner une carte du type de celle qu'elle a le moins retournée. Et en cas d'égalité, elle retournera en priorité une dette. Voilà, tout simplement.
Et ensuite, là, toutes ces icônes-là pour l'IA ont la même fonction. Elle ajoute simplement la première carte de sa pioche planification future, face visible dans sa défausse. Voilà. Et là, normalement, ça veut dire éliminer un villageois. Bien là, donc, elle est. Oui, bah, c'est ce qu'elle va faire. Voilà. Ok. Pas de souci. Sinon, le vicomte de l'IA se déplace uniquement dans le sens horaire. Bon, ça, c'est comme nous. Sur le chemin extérieur du plateau principal. Donc l'IA n'emprunte jamais le chemin intérieur. Donc son vicomte va rester à l'extérieur comme ça du royaume, mais ça ne va pas lui empêcher de pouvoir faire l'ensemble des quatre actions. Il n'y a pas de souci. Et lorsqu'un vicomte termine son déplacement sur un emplacement déjà occupé par un autre vicomte, normalement le propriétaire du vicomte rejoint devrait obtenir un effet de réarrangement. C'est ce qu'on fait dans une partie en multijoueur. Là, à la place, l'IA va prendre une carte ressource de son choix. Voilà, comme mentionné ici. Ok, bon, après ces petits rappels de règles, pour vous et pour moi aussi, hein, évidemment pour le mode solo, eh bien, on va pouvoir commencer. Et je vais d'ailleurs commencer, eh bien, écoutez, je vais aller piocher, j'ai mélangé là, bon, je vais, dans le doute, je vais remélanger un petit peu. Je vais commencer par piocher 3 cartes, puisque notre limite de cartes en main, en tout cas en début de partie, est de 3. Et voilà donc ce que j'ai. Alors, j'ai la publicaine, la voleuse et l'abbé. Alors écoutez, l'abbé me semble peut-être pas mal, sachant que j'ai des encriers, je vais peut-être faire ça tout de suite. Alors moi, là, contre l'IA, ce que je vais faire, je pense que je vais partir sur une stratégie manuscrit et placement d'ouvriers au château. Je crois que ça peut être pas mal. Essayer de cumuler un maximum de points de cette manière-là. Ouais, je vais jouer donc mon abbé. Voilà, ici. Alors je vous rappelle, on suit le déroulé du tour. Donc bon bah un petit rappel pour ce premier tour. Simplement, eh bien, à notre tour, on décale les cartes de notre plateau vers la droite. Si une carte sort et qu'elle a un effet de sortie, on le déclenche immédiatement. On joue une carte sur l'emplacement laissé libre à gauche. Là, il n'y a pas d'effet d'entrée. Si c'est un criminel, on prend une corruption minimum. Ensuite, on déplace notre vicomte du nombre de cases indiquées par le coût de la carte jouée. Donc là, je vais déplacer mon vicomte de 2 cases. Pas plus, pas moins, éventuellement plus quand même si on dépense une pièce par case supplémentaire. Donc là, ce que je vais faire, je vais aller essayer de transcrire un manuscrit d'emblée. Et je commence moi donc en rouge ici. Alors, transcrire un manuscrit, écoutez, je pourrais aller recruter un villageois là, ça peut être pas mal, gratuitement. Je vais faire. Alors, attendez, un. Deux, alors, il me faudrait que 3. 1 et 2. Voilà. Et je vais aller donc transcrire ce manuscrit. Il me faut 3 icônes clergé. Or, je n'en ai que 2. Une, deux. Je vous rappelle que pour transcrire, on peut dépenser des encriers. Un encrier par icône supplémentaire. Donc, ça me fait bien mes 3 icônes. Alors, je pourrais éliminer, remarquez, vous me direz, ce villageois qui me permettrait de réarranger mes cartes. Je ne vais pas le faire évidemment, ça me coûterait une pièce. Non, je ne vais pas le faire. Ok, d'accord. Donc je transcris ce manuscrit, j'avais bien mes 3 icônes, et immédiatement je peux recruter un villageois présent sur le plateau. Donc je ne vais pas me gêner pour le faire. Je vais aller recruter, je pense, alors, le disciple ou l'aristocrate. Je vais prendre plutôt l'aristocrate. L'aristocrate qui, au moment où je la recrute, là ça veut dire soit quand je l'élimine, soit quand je la recrute, et bien là au moment où je la recrute, je prends une vertu. Donc hop, on va commencer comme ça. Et elle m'apportera, lorsque je pourrai la jouer, une icône noble et une icône marchand. Elle peut être pas mal. Et la possibilité, quand je la joue, immédiatement de détruire une carte ou de défausser une carte. Ok, je la mets ici justement dans ma défausse. Voilà. Bah écoutez, c'est pas mal. Puis je peux recruter après avoir fait mon action. Ah bah, alors là, j'ai pas recruté, non, c'était mon bonus de manuscrit. Maintenant, je peux recruter, si je le souhaite, le guetteur. Le guetteur qui me permettrait de gagner une vertu à nouveau. Est-ce que je le fais? Le guetteur, remarquez, il peut être pas mal quand même. Je vais le faire. Je vais payer une pièce. Voilà. Et je vais recruter le guetteur qui est là. Alors, il a une icône criminelle.
Ça, c'est pas forcément génial, encore qu'une icône criminelle, eh bien, c'est une icône Joker, hein. Et là, immédiatement, il me permet de remélanger ma défausse avec ma pioche. Eh bien, je vais le faire. Lorsque je vais le jouer, je pourrais recruter gratuitement ou détruire une carte. C'est pour ça que je l'ai pris, ça peut être pas mal. Je le joue, je mélange ma défausse avec ma pioche. Lorsque je fais cette action, si j'ai zéro criminel sur mon plateau, je gagne une vertu. C'est le cas, donc je vais gagner une vertu. Voilà. Et je mélange tout ça. Voilà, donc ils vont peut-être revenir ces deux-là dans ma main rapidement. Puisque là, je ne résous pas de collision entre les marqueurs corruption et vertu, puisqu'ils ne sont pas sur la même case. Et du coup, je repioche une carte. Voilà, mais écoutez, je crois que c'était ma première action et c'était pas mal. Voilà, je récupère du coup la prêteuse sur gage. Ok, bon, on verra au prochain tour. Alors, comment ça va se passer pour l'IA? Eh ben, écoutez, j'ai envie de dire que c'est pas compliqué, encore que je suis pas encore très habitué. On retourne simplement, alors c'est pareil, on décale ses cartes et on retourne sa carte planification de départ ici pour la poser là. Alors, on s'aperçoit, donc on va aller la voir de plus près, que l'IA déjà va obtenir du coup ces deux icônes, une icône bâtisseur, une icône noble, qui va l'aider donc à effectuer son action du tour. Puis on suit la carte de bas, de haut en bas, pardon, et on résout les différentes actions. Donc là, l'IA va gagner une ressource au choix. Bah, écoutez, je vais lui donner une pierre. Pour lui, toutes les ressources sont identiques. Il va ensuite déplacer son vicomte d'une case. Donc on va le faire. Voilà. Alors sur le plateau, donc l'IA joue en bleu et il va se déplacer d'une case ici. Et donc on le sait, il reste sur le pourtour extérieur du plateau. Puis ensuite, il va faire une des trois actions au choix et dans l'ordre de priorité la plus à gauche. Donc d'abord, il va essayer de construire un bâtiment. Alors, combien a-t-il d'icônes pour bâtir? Il a donc une icône ici bâtisseur, plus sur son plateau une icône Joker grâce à la tête de crâne là ici. Donc ça lui fait deux. 2 plus 2 pierres, ça lui fait également éventuellement 4 icônes. L'IA construit évidemment selon ses moyens. Donc là, on a vu qu'elle pouvait avoir 4 icônes. Elle va toujours utiliser le maximum de ressources possibles. Donc 4 icônes, qu'est-ce qu'elle peut construire? En fait, elle ne peut construire qu'un petit atelier qui lui coûte 3 icônes. Et donc, elle va dépenser simplement une pierre. Voilà. Ok, et là, à ce moment-là, elle va le placer sur l'emplacement le plus à gauche disponible, là où se trouve son vicomte. Donc elle va placer son bâtiment ici. Elle va gagner le bonus, qui là en fait bah, va lui faire gagner un acte de propriété, il n'y a aucun souci. Voilà. Un acte de propriété pour Lila, non retourné évidemment. Et puis, bah, écoutez, c'est pas mal. Donc elle a fait Lila une des trois actions. La première était possible, donc on ne réalise pas les deux autres. Et sa carte reste là sur le plateau. Ensuite, il y a éventuellement un effet de collision, mais là non. Et puis, après, bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est tout. Voilà. C'est tout, c'est tout. Donc en construisant ce monument, attention, désormais, quand elle ajoute une carte planification future à sa pioche, il faudra que j'y pense, elle gagne une vertu. Voilà, ça a débloqué ce petit bonus. Excusez-moi pour la mise au point. Voilà, je vous montre du coup. Voilà. Lorsqu'elle ajoute une carte planification future à sa pioche, elle gagne une vertu. Voilà. Mais écoutez, c'est tout. Pour le moment, je crois que c'est tout. Ok. Alors, on voit un petit symbole ici. Ça veut dire qu'en fin de partie, le petit drapeau, chaque ressource que l'IA aura collectée, qui lui restera, vaudra un point de victoire. On se rappelle que pour les joueurs humains, par contre, ce n'est pas le cas. Bon, bah écoutez, voilà pour le tour de l'IA. Ça a été relativement simple, je trouve. Donc c'est à moi. Je décale mes cartes et je vais jouer une carte. Alors, je vais peut-être jouer la prêteuse sur gage. Je vais aller chercher des ressources là. Je vais jouer la prêteuse sur gage ici. Un mouvement de 1. Avec mon vicomte qui se trouve ici. Alors je pourrais remonter là.
Oui, par contre, là, ça ne me permet pas d'aller récupérer des ressources. J'aimerais bien plutôt aller récupérer soit de l'or, soit des encriers. Pour récupérer de l'or, il me faudrait combien de mouvements? 1, 2. Eh bien, écoutez, ça vaut le coup peut-être. Je vais le faire, je pense. Donc, je fais 1, 2. Pour chaque paire d'icônes marchand, je récupère un or. Or, j'ai deux paires d'icônes marchand. Alors, pour faire deux de mouvements, il a fallu que je dépense une pièce. Voilà. Et je vais récupérer donc deux ors. Voilà, je vais mettre ici avec mes ressources. Très bien. Bon bah écoutez, c'est pas si mal. Ensuite. Ah voilà, attendez, je vais un peu vite. Je pouvais éliminer le prêteur sur gage. Est-ce que je l'élimine? Ou est-ce que je le recrute? J'ai même pas envie de le recruter. Non, je pense pas. Donc, je vais ni l'éliminer, puisque une icône de plus. Remarquez, remarquez, 3. Ouais. Non, je vais pas l'éliminer. Je vais économiser. Ok, pas de collision. Par contre, je peux recruter. Donc non, j'ai dit non. Et je vais repiocher une carte. Bah, c'est parti. Voilà. Alors, le guetteur. Ok, ben justement, d'accord, ok, je vois. On va voir. Eh bien, écoutez, c'est au tour de l'IA. On tourne ici vers la droite et c'est parti. Je décale ces cartes et on va ajouter celle-ci. Alors, ça lui donne une icône noble et une icône clergé pour son action du tour. Il va gagner une vertu. Il va déplacer son vicomte de 3 cases. Ok, ben c'est parti, hein. 1, 2, 3. Et là, qu'est-ce qu'il va faire comme action? Prioritairement, il va aller placer des ouvriers. Alors, placer des ouvriers, sachant qu'il a combien d'icônes? Une, deux, trois, et éventuellement même quatre avec cette pierre, puisque pour lui, une pierre égale un or. Alors, sauf que quatre, ça ne va pas lui être suffisant. Il va utiliser que trois icônes qui vont lui permettre de placer deux ouvriers. Alors vous voyez que l'IA ne rigole pas. Donc il se trouve sur le pourtour extérieur du plateau, mais il peut quand même placer des ouvriers au château, ici, sur le premier niveau de la section sur laquelle il se trouve, évidemment. Voilà, bah écoutez, je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. Il n'y a pas de déplacement d'ouvriers là. Donc pas de souci. Ok, c'est donc à moi. Alors, je vais commencer par décaler mes cartes. Et puis je vais jouer une carte. Alors, qu'est-ce que je vais jouer là, à ce tour-là, sachant que... Ok, est-ce que je pourrais aller faire un autre manuscrit? Je pourrais éventuellement avoir trois icônes. Ouais, écoutez, pourquoi pas, hein. Je vais peut-être le faire tant qu'il y a des manuscrits qui coûtent 3 en jeu. Alors, est-ce que je joue ma voleuse ou mon guetteur? Je pense que je vais plutôt jouer mon guetteur. Alors, attention, c'est un criminel. Donc, du coup, ça me fait gagner une corruption. En fait, je gagne le nombre de corruptions égal au nombre d'icônes criminelles que j'ai sur mon plateau. Je n'en ai qu'une. Donc c'est fait. Et immédiatement, je peux détruire une carte de ma main ou de ma pioche, ou je peux recruter gratuitement. Est-ce que je recrute? Alors, détruire une carte de ma main ou de ma pioche. Écoutez, je regarde un peu. La voleuse peut-être. Ou alors, là ici. Je vais peut-être plutôt... Je sais pas. Hein. Je vais peut-être détruire une carte de ma main ou de ma pioche ou recruter. Gratuitement. Alors recruter gratuitement, il y a justement le disciple qui m'intéresse pas mal quand même. Hein. Le disciple... Ouais. Que je vais peut-être aller recruter donc du coup. Ou alors il y a le moine. Le moine est pas mal aussi. Hein. Une icône clergé. Je vais peut-être aller recruter. Ouais, je vais prendre le moine plutôt. Il coûte plus cher. Je recrute gratuitement le moine. Grâce à mon guetteur hein, que je viens de poser donc. Et je le place ici. Je gagne immédiatement au moment du recrutement une vertu. Voilà. Donc ça c'est fait. Désormais, je vais pouvoir me déplacer de une case. Alors, je suis là, une case. Ah ouais, alors une case, par contre, ça va pas me permettre de redescendre vers le
milieu du plateau. C'est pas grave. Je vais me déplacer d'une case ici. Parce que je vous rappelle que là, bah, vous voyez la flèche, hein, je ne peux pas retourner ici. Hein. Donc, je me déplace d'une case là. Je dépense une pièce d'argent pour faire un déplacement supplémentaire ici. Là, je peux, si je le souhaite, éliminer l'architecte pour bénéficier de ces icônes. Et je ne vais pas le faire en l'occurrence. Encore que... Attendez voir. Ça me permettrait de réorganiser mon plateau pour une pièce. Remarquez que, pourquoi pas, hein. Je vais peut-être le faire quand même. Réorganiser mon plateau. 1, 2. 1, 2, 3. Ouais, de toute façon, j'aurais pu d'encrier le tour d'après. Ouais, je vais peut-être le faire quand même. Je donc dépense une pièce supplémentaire pour éliminer l'architecte. Je gagne donc ces icônes, mais ça ne va pas m'être utile là. Par contre, ça va me permettre de réorganiser les cartes sur mon plateau. Et je vais le faire. Je vais réorganiser de cette façon-là, je pense. Voilà. Comme ça. Ou peut-être même ici, quoi. Voilà. Je vais faire ici comme ça. Voilà. Très bien, c'est fait. Du coup, alors, ça c'est les cartes éliminées là-haut. Ce que je veux faire, c'est transcrire un manuscrit. Il me faut des icônes clergé. J'en ai une ici, plus une icône joker ici, plus un encrier, égale donc un manuscrit qui coûte 3. Je le récupère, c'est un manuscrit avec un bandeau blanc, et immédiatement je gagne une vertu. Voilà, boum, ça vient s'ajouter là. Ok, bah écoutez, c'est pas si mal. C'est pas si mal. Bah très bien. Je peux désormais recruter. Alors recruter le missionnaire. Qui me permet quand il... Ah, il est pas mal, hein. Mais alors, la missionnaire, pardon. Mais alors, elle coûte cher, hein. 3 pièces, c'est quasiment tout ce qui me reste. Est-ce que je le fais? Ça me permettrait de défausser une carte. Ouais, écoutez, pourquoi pas? J'ai quand même envie de dépenser mes pièces en ce début de partie. Allez, je la recrute ou pas? Ouais, puisqu'elle a une icône clergé, comme j'ai décidé d'axer ma stratégie sur les manuscrits notamment. Allez, je paye 3 pièces, il ne va m'en rester plus qu'une désormais. Et pour recruter la missionnaire, immédiatement, je peux défausser une carte de ma main ou de ma pioche. Alors, je la mets dans ma défausse. Défausser une carte de ma main ou de ma pioche. Je vais défausser... Attendez voir. Je vais défausser, je pense, la publicaine. Voilà. Ok, voilà qui est fait. Donc, j'ai fait mon recrutement. Je vais désormais résoudre la collision. Alors, mes marqueurs se trouvent ici. Je gagne donc 2 actes de propriété, une pièce. Bon, je récupère toujours une pièce, ça c'est pas mal. 2 actes de propriété que je prends sur le dessus du paquet là-bas. Voilà. Ça m'en fait 4. Je vais les mettre en pile comme ça. Pour une question de place. Et l'IA, lui, va, puisqu'il a une icône crâne sur son plateau, gagner une corruption. On le voit ici, son icône criminelle. Donc il gagne une corruption. Voilà. Ok. Donc je vais aller repiocher. Je n'ai plus qu'une carte en main. 1 et 2. D'accord. Ok. Pourquoi pas. Détruire une carte. Ouais. Alors, pourquoi pas. Ben, en tout cas, c'est au tour de l'IA. C'est parti. Je vais décaler ces cartes. Voilà. Elia, que va-t-il faire? Alors, déjà, il récupère une icône bâtisseur. Puis, ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il élimine la carte villageois adjacente à son vicomte. La carte est retirée de la partie et l'IA gagne immédiatement l'effet en haut à droite de la carte. Ok. Donc, il élimine la carte villageois adjacente à son vicomte, c'est-à-dire celle-ci, le brigand, et il gagne immédiatement cet effet. Et là, cet effet, c'est qu'il réorganise ses cartes sur son plateau. Alors, est-ce qu'il fait ça vraiment? Du coup, je ne sais pas. Alors, en tout cas, le brigand, je le mets en haut avec les cartes éliminées ici.
Oui, il fait l'effet, hein. C'est-à-dire que là, cette icône, c'est qu'il remet l'enchâ défausse avec sa pioche. Or, dans sa défausse, pour l'instant, il n'y a pas de carte. Donc, il ne va pas faire l'effet. Voilà, tout simplement. Donc, ça, c'est fait. Il a éliminé le villageois adjacent à son vicomte. Puis, il va déplacer son vicomte de 4 cases. Alors, 1, 2, 3 et 4. Puis, il va chercher à construire un bâtiment. Alors, combien a-t-il d'icônes construction? Une, deux et éventuellement trois avec sa ressource. Donc, il peut construire ici un atelier. Il va le faire. Il va le faire. Il va construire sur l'emplacement le plus à gauche disponible, du côté de la rivière, là, ici, hein. Donc, il va construire ici. Et là, il va gagner donc un acte de propriété. Voilà. Ok. Ok, ça lui fait son quatrième. Et c'est tout, hein. Voilà, c'est tout. Donc là, désormais, quand il retourne un acte de propriété, il gagne une ressource au choix. Ça lui a découvert ce bonus. Voilà, ben c'est tout. Et c'est à moi. Ben, vous voyez, c'est plutôt assez simple, hein. Alors, la prêteuse sur gage va sortir. Donc, je vais pouvoir retourner une carte. Est-ce que je retourne une dette ou un acte de propriété? Je vais retourner plutôt une dette. Et je vais donc gagner une ressource au choix. Je vais gagner, admettons. Alors attendez, je regarde là. Mes cartes en main sont là. Je vais gagner peut-être un or. Attendez. J'en aurai 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, je vais gagner un or. Voilà. Une ressource au choix. Très bien. Puis, je décale mes cartes, donc celle-ci. Et je joue une carte. Alors, je vais jouer, je pense. Ouais, je vais jouer le châtelain. Je vais jouer le châtelain. Remarquez. Ou la voleuse. Le châtelain ou la voleuse. Alors, l'IA, quand il gagne deux pièces d'or, il gagne une ressource au choix. Ouais, d'accord. Je vais jouer plutôt. Alors, attendez, je regarde, je pourrais gagner. Alors j'ai oublié de replacer mes marqueurs corruption. Voilà, comme ça. Et vertu. J'hésite. Le châtelain ou la voleuse. Je vais jouer plutôt le châtelain. Voici. Voilà. Ok. Donc ce qui va faire que je vais déplacer mon vicomte de deux cases. Alors je vais le faire. 1. 2, ici, et je vais aller placer des ouvriers. Il me faut des icônes nobles. J'en ai une ici, plus une icône joker, ça fait 2, plus les 3 ors, ça fait 5 icônes. Pour 5 icônes nobles, je peux placer 3 ouvriers. Et je vais pas me gêner, je vais le faire tout de suite, immédiatement. C'est parti. Alors, 3 ouvriers, donc, ici. Voilà. Alors, on se rappelle comment ça se passe. 3 ouvriers au premier niveau, j'en déplace un vers le deuxième niveau. Donc je gagne immédiatement 2 vertus, comme indiqué sur cet emplacement. Et puis je décale, hop, un ouvrier de chaque côté. Voilà. Mais écoutez, ça me paraît pas mal. Ah oui, alors, ah oui. J'aurais pu. Alors le disciple, je vais plutôt le recruter, je pense. Ouais. Je vais recruter le disciple pour 1. Je ne l'avais pas éliminé. Pour une pièce. Voilà. Et immédiatement, je peux mélanger ma défausse avec ma pioche. Ce qui me ferait gagner d'ailleurs. Ah non, si je le fais, sachant que ça c'est une action qui est toujours facultative, je crois. Hein. Ah non, je suis obligé. Et malheureusement, quand je fais ça, comme j'ai un criminel sur mon plateau, je vais gagner une corruption. Ok, donc je mélange, voilà, ma défausse avec ma pioche. Voilà, j'ai recruté, donc ça c'est fait. Puis, eh bien, je vais aller repiocher. J'ai deux cartes en main, je vais en prendre une troisième qui va être le missionnaire. Ok, pas trop mal. Encore qu'il va me manquer certainement des encriers. Et j'ai plus beaucoup de ressources, quoi. Il me reste une pierre et une pièce d'argent. Alors en termes de ressources, il va falloir que je me refasse là. Hein. Ok. Voilà, c'est fait. Allez, c'est parti, c'est donc à l'IA de jouer.
Alors, l'IA va décaler ses cartes ici. Et elle va jouer donc une première carte ici qui va être alors une icône criminelle. Donc déjà, elle va. Alors là, ça veut dire que pour chaque icône criminelle, elle avance la corruption de 1. Donc ici. Voilà. Donc ça, c'est plutôt assez clair. Puis, elle va faire cette action là. Ah oui, alors ça veut dire justement qu'elle prend une carte de planification future, face visible, dans sa défausse. Donc, hop, planification future, je suis allé la chercher là, et je la mets dans sa défausse, ici à droite. Ok. Puis, quand elle fait ça, elle gagne une vertu. Comme indiqué ici désormais sur son plateau de joueur, puisqu'elle a construit son premier atelier. Ensuite, elle va déplacer son vicomte de une case. Alors, le vicomte de l'IA se trouve ici, une case. Ensuite, elle va chercher à faire son action principale, privilégiée, on va dire. Et son action privilégiée, c'est celle-ci, c'est-à-dire qu'elle va rajouter à nouveau une carte planification future sur sa défausse, et elle va retourner une carte acte de propriété ou dette, sachant que quand elle fait ça, donc alors déjà, elle va rajouter une carte planification future, donc hop, voilà, ici. Puis, là, elle va gagner une vertu grâce à ça. Et enfin, elle va retourner une carte acte de propriété ou dette et gagner une ressource. Alors, acte de propriété ou dette, eh bien là, comme elle a retourné aucune carte encore, elle privilégie les dettes. Donc, elle va retourner une dette, ce qui lui fait gagner une ressource au choix. Je vais lui donner une pierre. Et en fait, je lui en donne même une deuxième immédiatement pour cette action-là et ce bonus. Voilà. Ok, voilà qui est fait. Donc ensuite, ça va être à moi. Alors, ma grande difficulté, donc, c'est que je n'ai pas de ressources. Une pièce d'argent et une pierre, c'est vraiment très peu. Alors, je vais commencer par décaler ici le guetteur, ainsi que l'abbé et le châtelain. Le guetteur n'a pas d'effet de sortie. Je vais jouer, je pense, Judith. Judith, voilà, qui a un effet d'entrée. Soit je détruis une carte de ma main ou de ma défausse. De ma pioche, pardon, soit je retourne une dette ou un acte de propriété. Alors, acte de propriété, je pourrais, mais j'ai plutôt envie de détruire une carte de ma main. Je vais détruire, je pense, la voleuse. Voilà. Je vais la détruire, et quand je la détruis, donc je gagne une pièce. Ah, remarquez, je pourrais détruire la missionnaire. Ça me donnerait toujours trois pièces. Non, je vais gagner qu'une pièce grâce à la voleuse. Je la détruis. Voilà. Ok, voilà qui est fait. Le problème, donc, alors je vais déplacer mon vicomte de une case. Je suis où? Je suis là. Alors, tour d'après, qu'est-ce que je vais jouer? J'en sais rien. Je vais me déplacer là, donc. Et là, pour faire une action, ça va être compliqué. Parce que j'ai une icône de chaque. Bâtisseur, marchand, noble et clergé. Et une pierre. Mais pour deux pierres, je pourrais rien faire. Hein. Je pourrais pas construire de bâtiment. Il m'en faut trois minimum. Donc du coup, à remarquer, je pourrais faire quand même l'action pour une pièce, je pourrais aller chercher un encrier. Ouais, c'est toujours ça. Je vais faire l'action de commercer. J'ai une icône, plus une pièce me donne une deuxième icône quand on commerce, et je vais aller gagner donc un encrier. Bon, c'est pas la folie, mais c'est déjà ça. Voilà. Alors, vous me direz que j'avais la possibilité d'éliminer l'évêque, mais en fait non, puisqu'il coûte 3 à éliminer. Et là, pour le recruter, c'est également très compliqué, c'est dommage. C'est dommage parce que ça aurait été pas mal hein, de l'éliminer, parce que les deux icônes clergés, là, sont quand même pas mal. Hein. Mais bon, c'est pas possible. Donc je vais repiocher, par contre, je repioche deux cartes. Une, l'aristocrate, et le compagnon. Ouais, donc j'ai des icônes marchands, il va peut-être être temps d'aller récupérer un peu de ressources hein, lors des tours prochains. Allez, c'est parti, c'est donc à l'IA de jouer. L'IA va décaler les cartes de son plateau, ici, ici, ici. Elle va retourner une carte là. Alors, elle récupère une icône clergé, une icône bâtisseur, puis elle retourne une dette ou un acte de propriété. Alors, comme elle a retourné déjà une dette, elle va retourner un acte de propriété.
Et quand elle retourne un acte de propriété, l'IA gagne une ressource au choix. Alors, je vais lui donner une pierre également. Voilà. Ensuite, elle va déplacer son vicomte de deux cases. Ici, 1, 2. Et elle va chercher à faire l'action de transcrire un manuscrit. Elle a combien d'icônes? Une, deux. Et il lui en faut 4 pour transcrire ce manuscrit là, ici. Donc elle va dépenser 2 pierres pour pouvoir transcrire ce manuscrit. Qui immédiatement d'ailleurs va lui donner. Alors son manuscrit, je vais mettre là. Qui immédiatement va lui donner la possibilité de construire un petit atelier n'importe où sur le plateau. Alors ça lui offre un autre bonus là, d'accord. Alors n'importe où sur le plateau. Là, quelle est la règle? Lorsqu'elle résout un effet de construire gratuitement, elle tente d'abord de le construire sur l'emplacement de construction le plus à gauche par rapport au sens horaire du lieu où se trouve son vicomte. Alors là, il y a déjà un bâtiment. Donc elle va construire ici. Et elle va aller détruire une carte. Alors lorsque l'IA détruit une carte, en fait, elle détruit pas une carte, elle retourne un acte de propriété ou une dette. Et bah ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Attendez, je vérifie. Voilà, c'est ça. Donc elle détruit pas une carte, elle retourne un acte de propriété et une dette. Cette fois-ci, elle va retourner une dette, puisqu'elle est à égalité. Et quand elle retourne une dette, elle gagne une ressource au choix, plus ici une vertu. Voilà. Et une ressource au choix. Je vais lui donner également une pierre. Waouh, c'est chaud hein, quand même. Et donc, on va résoudre sa collision de corruption et de vertu. Elle va gagner une ressource au choix, bah à nouveau une pierre, ça va les ressources, plus un acte de propriété. Voilà, que je vais lui mettre ici dans sa collection. Et moi, si j'ai un criminel au plus sur mon plateau, mais c'est pas le cas, je prendrai une corruption. C'est pas le cas. Je remets les marqueurs à leur extrémité. Voilà. Ok, bah écoutez, je crois que c'est bon. Je crois que c'est bon et c'est à moi de jouer. Allez, c'est parti. Mon abbé quitte le jeu par la droite. Le châtelain se déplace ainsi que Judith. Et qu'est-ce que je vais jouer là? Il faudrait que. Ouais, il faudrait que j'aille récupérer des ressources. Je regarde un petit peu si je joue le compagnon. Je vais pouvoir me déplacer de 2. Ce qui n'est pas GG en fait. 1, 2, 3. Et ouais, non, c'est pas génial. D'accord. Et sinon, j'ai pas d'or. J'ai pas d'or, c'est quand même dommage. Je vais jouer le compagnon quand même, hein. Ou l'aristocrate qui me permet de détruire une carte. Si je joue l'aristocrate, ça me permet de détruire une carte de ma main ou de ma pioche. Je vais aller voir ma pioche. Ouais, je pourrais gagner 2 pièces quand même. Ce qui peut être pas mal. Je pourrais le détruire le manœuvre. Je vais peut-être jouer ça. 2 pièces. Je vais jouer donc ici, l'aristocrate. L'aristocrate, alors qui va me permettre de me dépasser de 2 cases. Ouais. Bof, bof, bof. De 2 cases. Bon, on va le faire quand même. Alors, je joue l'aristocrate. Je gagne une icône noble, une icône marchand. Immédiatement, je détruis une carte ou je défausse une carte. Je vais détruire une carte de ma pioche, le manœuvre. Je vais gagner donc 2 pièces immédiatement. Voilà. Parce qu'il a une icône qui m'intéresse pas trop. Construction de bâtiment, je ne vais pas trop en faire a priori. Je gagne 2 pièces. Voilà, c'est fait. Puis je peux déplacer mon vicomte de 2 cases. Alors je suis là-bas. Ben, en fait, ah ouais, 2 cases seulement. 2 cases. 1, 2. J'ai pas envie d'aller faire cette action-là. 3, 4 pour aller chercher de l'or. Ah, où est-ce qu'on prend, où est-ce qu'on récupère Ouais, alors il aurait fallu que je me déplace que d'une case pour des encriers. C'est pas grave. Je vais me déplacer de 2 cases. 1, 2. Et 2 cases supplémentaires ici. 1, 2. En dépensant 2 pièces. Et là, j'ai combien d'icônes?
une, deux icônes marchands. Deux icônes marchands, je vais aller récupérer un or. Vous voyez que c'est pas facile pour moi de récupérer de l'or. Qu'est-ce que je vais faire comme action? Eh bien, ah ouais, alors soit je peux. Bah ça y est, bah c'est fait, hein. J'ai récupéré de l'or donc. Maintenant, je peux recruter pour une pièce le diplomate. Immédiatement, je pourrais réorganiser mon plateau. Ouais, ça peut être pas mal quand même. Ça peut être pas mal quand même. Le diplomate. Ouais, je vais payer ma dernière pièce. Ouh, pour recruter le diplomate que je mets ici. Et immédiatement, je peux réorganiser les cartes sur mon plateau. Je vais déplacer Judith ici et mettre. Voilà, je vais faire comme ça. Voilà qui est fait. Bah écoutez, je vais repiocher. Ok. Ouais, c'est pas ce que j'espérais en vérité. C'est pas grave. Alors j'ai plus de pièces et j'ai une ressource de chaque. Ok. Allez, à l'IA. Alors l'IA qui rigole pas du tout, je trouve. Pour elle, les ressources, c'est facile. On dirait que c'est à volonté. Une icône criminelle. Donc elle va prendre deux corruptions puisqu'elle a une et deux icônes criminelles. Un, deux. Très bien. Elle gagne une dette. Voilà, que je vais rajouter donc ici. Qui n'est pas retourné encore. Ensuite, elle déplace son vicomte de 4 cases. 1, 2, 3 et 4. Et elle va chercher à faire son action privilégiée, c'est-à-dire rajouter une carte planification future à sa défausse phase visible. Donc voilà, c'est fait. À ce moment-là, elle gagne une vertu. Ainsi que retourner une dette ou un acte de propriété. Alors, comme elle a retourné déjà deux dettes et un seul acte de propriété, elle va retourner un acte de propriété. Et quand elle fait ça, elle gagne une ressource au choix. Donc, je vais lui donner à nouveau une pierre. Voilà. Et c'est tout pour l'IA. Ok. Allez, c'est à moi. Vous voyez que les tours sont quand même très rapides. Eh bien, je vais décaler déjà Judith qui va quitter le plateau, le châtelain par ici, l'aristocrate. Alors c'est dommage, j'ai pas d'icône noble là. C'est ça que je voulais. Ah, mince, incroyable. Alors 3 par contre, je suis où là? Si je joue 2. Si je joue 2, 1, 2. J'ai plus de pièces. J'ai plus de pièces. Je pourrais peut-être aller en récupérer. Je pense que je vais jouer la missionnaire. Immédiatement, je gagne une vertu. Je vais aller jouer la missionnaire. La missionnaire qui va me faire me déplacer de 3 cases. Allez, c'est parti. Je suis là en rouge. 1, 2 et 3. Marqué. Attendez, 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 attendez. 1, 2, 3, j'étais là. La missionnaire, attendez, parce que en fait, je vais peut-être aller plutôt faire l'action de placer des ouvriers. Hein. Je pourrais en placer deux, c'est toujours ça. Hein. Je pourrais en placer deux, ça peut être pas mal. Si je me déplace de 3 cases, voyons voir. Je pourrais aller là. 1, 2, 3. Ou alors, je fais 1, 2, 3. Je vais aller là. Je vais plutôt aller là, pour l'instant. Et je vais faire l'action de placer des ouvriers. J'ai une icône noble, plus une deuxième, plus une troisième avec de l'or. Trois icônes nobles me permet de placer deux ouvriers. Et ben je vais le faire immédiatement. Voilà. Je vais les placer sur le premier niveau adjacent du château. Ok. Voilà. Alors, puisque j'en ai trois, il y en a un qui va monter, ce qui me permet de faire un recrutement gratuit ou de détruire une carte de ma main ou de ma pioche. Détruire une carte de ma main ou de ma pioche, je vais aller voir. Je vais peut-être détruire la publicaine qui me permettrait de gagner 3 pièces. Ou alors un recrutement gratuit sur le plateau. L'évêque. L'évêque peut être pas mal. Quand je recrute, je prends une dette par contre. Mais l'évêque peut être pas mal quand même. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends des pièces? Non, je vais aller recruter l'évêque. C'est trop beau. Je recrute l'évêque et je l'ajoute ici. Immédiatement, je prends une corruption. Non, pardon, une dette. Ouais. D'accord. Ça, c'est un peu la mauvaise nouvelle, par contre.
Ok, c'est fait. J'espère que je fais les bons choix. Donc, et là, du coup, j'ai placé. Donc, j'ai monté mon. Pardon, oh là. J'ai monté mon ouvrier au deuxième niveau et ces deux-là vont aller de chaque côté, là. Comme ça. Voilà. Ok, voilà qui est fait. Eh bien, c'est bon. Donc, désormais, si j'avais deux pièces, je pourrais récupérer le diacre, mais j'ai zéro pièce. Donc, je vais plutôt aller repiocher. Je vais repiocher une carte. Ouais, on va faire ça. Voilà. Ici. Ok. D'accord. Allez, c'est à l'IA de jouer. C'est parti. Donc, on décale ces cartes. L'IA n'a plus de cartes dans sa pioche. Donc, elle va remélanger le tout. Alors, lorsqu'elle mélange l'IA, qu'est-ce qui se passe? Bah, rien de spécial, je crois, hein. Rien de spécial. Voilà. On remélange sa défausse ici et on va prendre une carte qui va être celle-ci. Alors, elle gagne une icône bâtisseur. Elle va éliminer le villageois proche de son vicomte. Et donc, j'imagine gagner. L'IA ne gagne pas les icônes de ses cartes pour financer ses actions. Par contre, elle gagne l'effet en haut à droite de la carte. Ouais. Alors, elle est où? L'IA, elle est là. Elle va éliminer l'escroc. Et elle va gagner ici une corruption. Bam, voilà. Elle va déplacer son vicomte de 4 cases. 1, 2, 3, 4. Et elle va chercher à construire. Et elle va certainement pouvoir, puisqu'elle a une, deux, trois icônes, plus quatre, qui vont lui faire sept. Voilà, plus quatre, qui lui font sept icônes bâtisseurs pour construire une maison des corporations. Une maison des corporations qu'elle va construire sur l'emplacement le plus à gauche par rapport à son vicomte, donc c'est-à-dire ici. Là, elle va retourner une dette ou un acte de propriété. Elle va retourner une dette. Sa troisième déjà, ce qui va lui faire gagner à nouveau une ressource plus une vertu. Waouh! D'accord. Et son bâtiment est placé, ce qui lui offre désormais une icône clergé pour le reste de la partie. Faudra pas que j'oublie ça. Ok. Eh ben très bien. Hein. Bon, allez, c'est à moi puisque là il n'y a pas de collision encore. Hein. Allez, c'est parti. Le châtelain quitte le plateau. L'aristocrate, la missionnaire. Et là, donc, là, je vais aller récupérer des ressources cette fois-ci. Je vais aller récupérer des ressources. Je pense que je vais. Alors, je suis où moi? Je suis là. Ah ouais, si je me déplace d'une case, récupérer de la pierre, non. J'irais bien récupérer des encriers quand même. Donc, il faudrait que je me déplace de deux cases. Un, deux. Je peux jouer le compagnon. Pourquoi pas? Je vais jouer le compagnon 4, ça me ferait récupérer 2 encriers, ouais c'est pas mal. Je joue le compagnon qui va me faire me déplacer de 2 cases. Donc je vais faire 1, 2. Et pour chaque paire d'icônes marchand, je récupère un encrier. J'ai combien d'icônes? 1, 2, 3, 4. Je vais récupérer donc 2 encriers. Voilà. J'ai pas de pièces à rajouter à la transaction. Hein. Bon voilà, ça me fait 3 encriers. C'est fait. Puis je peux recruter si je veux, mais non, parce que j'ai toujours pas de pièces. Et donc, bah, tout simplement, je vais piocher. Aïe, 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 c'est dur de ne pas avoir de pièces là, dans le jeu, là. Première fois que ça m'arrive. Je pioche le disciple. D'accord. Ok. Je vais peut-être aller me faire un petit, une petite transcription de manuscrit. Rapidement. Allez, on va voir. Donc, c'est à l'IA de jouer. Donc, je décale ces cartes. Comme ça, j'en pioche une nouvelle, ça lui donne une icône bâtisseur. Alors là, elle va récupérer une ressource au choix, je vais lui donner une pierre. Elle va éliminer le villageois proche d'elle. Donc, elle est où l'IA? Elle est là, elle va éliminer le tailleur de pierre. Elle va récupérer immédiatement. Donc cette icône indique que l'IA va éliminer la carte villageois adjacente à son vicomte. La carte est retirée de la partie, l'IA gagne immédiatement l'effet en haut à droite de la carte. Mais a priori, donc elle détruit pas, hein, elle élimine. Elle gagne cet effet
qui lui permet de défausser une carte. Alors là, dans ces cas-là, elle va gagner plutôt une vertu. Puisque cet effet pour l'IA, ça veut dire qu'elle gagne une vertu. Voilà. Hop, son marqueur vient en collision avec la corruption. Donc on va résoudre ça à la fin du tour. Ensuite, elle déplace son vicomte de 3 cases. 1, 2, 3. Elle va chercher à faire l'action de construire, décidément. Ok, donc, elle a combien d'icônes bâtisseurs? 1, 2, 3. Elle peut en avoir 6 éventuellement avec ses pierres. Elle va en dépenser 2 pour en avoir 5 et construire donc un comptoir. Ok, donc elle va construire un comptoir sur l'emplacement le plus à gauche de la rivière, donc c'est-à-dire ici. En plus, elle va gagner un bonus. Alors, elle retourne une dette ou un acte de propriété. Elle va retourner un acte de propriété, décidément. Quand elle fait ça, elle gagne une ressource. Et en plus de ça, comme elle a placé ici un bâtiment à une extrémité, elle va gagner une fois ce bonus, c'est-à-dire que là, elle va gagner une vertu. Donc elle va aller là. Tac. Voilà, je crois que c'est fait. Elle a récupéré une icône Joker pour le reste de la partie. Abusé. Et puis on va résoudre donc sa collision. Elle va récupérer une ressource ainsi que une carte acte de propriété. Le paquet commence à se vider déjà. Et puis moi, si j'ai un criminel, eh bien non, ce n'est pas mon cas, je gagnerai une corruption, mais ce n'est pas le cas. Donc on va replacer ici comme ça. Voilà. Bon, allez, c'est à moi de jouer. C'est parti, il faut que je m'active parce qu'il reste combien là-bas d'actes de propriété sur la pile? 1, 2, 3, 4, 5, 6. On en a déjà pris la moitié. Ok. Très bien. Allez, je décale les cartes. Pas d'effet de sortie. Hop, missionnaire, compagnon. Alors, qu'est-ce que je vais jouer là? J'ai peut-être envie d'aller récupérer des ressources encore. Est-ce que je peux récupérer des pièces? Ben, pas vraiment, c'est loin, c'est loin. Je peux pas en fait. Je peux pas. Par contre, je peux aller récupérer des encriers. Je vais le faire à nouveau là. Ouais, ou alors. Ouais, je vais en profiter quand même. Je vais jouer la prêteuse sur gage. Ouais, je vais jouer la prêteuse sur gage. Alors, remarquez, ça me donnait 4. La prêteuse sur gage qui me permet de me déplacer de une case ici. Je vais faire l'action de commercer. Pour chaque paire de d'icônes marchands, j'ai un encrier. J'ai 5 icônes. Ben, je vais récupérer 2 encriers. Voilà. Ok. Bon, par contre, il va falloir que j'aille transcrire après, hein. Voilà, c'est fait. Ok. Et puis, c'est tout. Pas de collision. Donc, j'ai pas de pièces pour éliminer ou pour recruter un villageois, hein. Donc, je vais aller piocher une carte qui va être la publicaine. Ouais. Permettrait éventuellement de gagner 2 pièces. Pourquoi pas? Ok. Ok, on va voir. D'accord. Bon, c'est bon. Ensuite, c'est à l'IA donc de jouer. Allez, je décale les cartes. Voilà. Donc une icône bâtisseur et noble. Elle gagne une ressource, ça va être une pierre. Elle déplace son vicomte de une case, ça va être ici. Et elle va construire encore. C'est pas possible, décidément. Alors là, cette fois-ci, elle a combien d'icônes? Bâtisseur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 avec 3 pierres. Et elle va construire une maison des corporations. Boum! Alors là, donc elle récupère une icône noble pour le reste de la partie. Et elle va construire ici. Elle va gagner un encrier, c'est-à-dire, bah, je vais lui donner une pierre plutôt. Voilà, ok. Bah, ce qui lui fait déjà 13 points, hein, avec ses maisons de corporations, vu qu'elle en a construit 2. Oui, d'accord, ok. Je suis un petit peu dubitatif. C'est à moi, il n'y a pas de collision à ce tour-ci. Allez. Donc là, le missionnaire quitte le jeu et il a un effet de sortie. Elle a un effet de sortie, pardon. Donc je gagne 2 encriers. Alors, remarquez, ça me fait pas mal d'encriers. Je décale le compagnon, la prêteuse sur gage. Est-ce que je peux aller récupérer d'autres ressources là? Pour l'instant, j'ai encore un petit peu de temps. Est-ce que je peux aller récupérer de l'or? 1, 2, 3. Il faudrait que je me déplace de 3. Ouais, je vais jouer la publicaine. Voilà. Qui immédiatement va me donner la possibilité de défausser une carte de ma main ou de ma pioche.
Je vais défausser une carte de ma main ou de ma pioche. Ouais, je vais défausser le négociant. Voilà, je défausse ici. Bon, c'est pas génial, hein. Et surtout, je gagne 2 pièces. Et surtout, je me déplace de 3 cases. 3 cases, je suis là-haut, je vais faire 1, 2, 3. Je vais faire l'action commercer. Pour chaque paire d'icônes marchand, je gagne un or. J'ai 1, 2, 3, 4, 5. Plus 1, bah, ça va me faire 6, donc 3 ors. Voilà. Ah, je me suis refait un petit peu, à part pour l'argent. Et après, je vais faire des actions. Ok, voilà qui est fait. Je peux recruter. Non, vérité. Non, non, non. Ok, alors je vais repiocher. Alors là, en l'occurrence, je mélange mon paquet. Quand je fais ça, je gagne une vertu car je n'ai aucun criminel sur mon plateau. Ok, voilà. Et alors maintenant, je vais aller faire des actions. Placer des ouvriers, transcrire des manuscrits. Je recrute la missionnaire. Alors pour les manuscrits, ça va être pas mal, hein. Je vais peut-être pouvoir faire plusieurs fois l'action d'affilée. Alors, donc, je déplace ici. Hop, hop, hop. Voilà, 2 icônes criminelles. L'IA va donc prendre 3 corruptions, puisqu'elle a 2 icônes criminelles ici, plus une là. 1, 2, 3 corruptions. Ensuite, elle retourne une carte acte de propriété. Lorsqu'elle fait ça, elle gagne une ressource. Donc, je vais déjà lui donner une ressource. Elle retourne un acte de propriété. C'est son 4e retourné, ça veut dire quand même 12 points. Elle déplace son vicomte de 3 cases. Alors ici, 1, 2, 3. Et elle va chercher à faire son action privilégiée, c'est-à-dire prendre une carte dans la planification future qu'elle rajoute face visible à sa défausse. Là, dans ces cas-là, elle prend une vertu. Et puis, elle retourne une dette ou un acte de propriété. Alors là, donc, les dettes sont toutes retournées. Elle va retourner un 5e acte de propriété. Alors, je vais les rapprocher parce que là, vous ne les voyez pas du coup. Hein. Ici, voilà. Et quand elle fait ça, elle gagne une ressource. J'aimerais bien jouer à la place de l'IA. J'aimerais bien avoir cette mécanique. C'est easy. Hein. Pour l'IA, pas de souci, pas de collision, donc c'est fait, c'est à moi. Allez, alors c'est parti, le compagnon quitte le jeu, j'ai la possibilité à ce moment-là, alors je vais gagner une vertu grâce à son effet de sortie, et je peux recruter une carte sur le plateau gratuitement. Alors, qu'est-ce que j'ai à recruter d'intéressant? Le bricoleur me semble pas mal. Ouais, je vais prendre le bricoleur, ici. Et au moment où je le recrute, eh bien, je gagne une vertu. Donc, je vais la prendre tout de suite. Là, il y a collision. Je vais placer mon bricoleur là. Et je déplace ma prêteuse sur gage, ma publicaine, comme ça. Alors, qu'est-ce que je vais jouer comme carte? Donc, là, à nouveau, est-ce que je pourrais aller chercher de l'or? Je vais peut-être plutôt aller faire des actions. Ou alors, je peux aller chercher de l'or quand même. Je pourrais aller chercher 2 or de plus. J'ai encore un petit peu de temps, je pense, hein. Ouais. Carte dette là où il y en a pas mal. Et là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, j'ai encore un petit peu de temps. Remarquez, ça peut aller vite, hein. Je vais quand même. Je vais jouer. Je vais jouer, je vais jouer. Attendez, je réfléchis. Je vais jouer la mission. Alors, 3 cases. Attendez. Je suis là. 1, 2, 3. Je pourrais récupérer des pièces. Ouais, remarquez, ça peut être pas mal quand même. Récupérer des pièces. Ou alors, pour récupérer de l'or, il faudrait que je joue le disciple. 1, 2, 3, 4. Je pourrais aller récupérer 2 or. Je vais aller récupérer des pièces plutôt, je pense. 1, 2, 3. Ouais, je vais le faire. Je joue la missionnaire à nouveau. Donc, il va me faire me déplacer de 3 cases. Je suis là. 1, 2, 3. Je vais aller faire l'action de commercer. Pour chaque icône marchand, je gagne une pièce. Et là, des icônes, cette fois-ci, j'en ai une, deux, trois, quatre. Je vais gagner 4 pièces. Ah, voilà. 1, 2, 3, 4. Ok. Ben, ça, c'est fait, mon action. Je peux recruter. Est-ce que je recrute, sachant que ça me coûte 2 pièces d'aller recruter le diacre?
Je prendrai une vertu. Ouais, je vais le faire, je pense. Je vais recruter le diacre pour 2 pièces. Voilà. Je le mets dans ma défausse. Au moment où je le recrute, je gagne une vertu. Les deux marqueurs sont l'un sur l'autre, donc ils se déplacent ensemble et je vais ici. Voilà. Et justement, je vais résoudre la collision. Donc là, je suis au bout, je vais gagner une pièce. Ainsi que 3 actes de propriété. Ah ouais, alors par contre là, ça accélère la fin de partie. Il faut vite que je fasse des actions. 3 actes de propriété. J'en ai pas mal, mais j'en ai aucun de retourné. Et l'IA, puisqu'elle a des icônes criminelles sur son plateau, va gagner une dette. Voilà, ok. Va gagner une dette. Ici. Je vais la mettre là. Voilà. Collision, c'est fait. Je vais replacer les marqueurs à leur place. Et je repioche. Je vais avoir donc. Alors il faut que je me dépêche maintenant de faire mes actions. Parce que je sens que la fin de partie va pas tarder. Déjà. Alors, l'IA déplace ses cartes. Va retourner celle-ci. Ok. Elle va gagner une vertu. Elle va déplacer son vicomte de 3 cases. 1, 2, 3. Et elle va faire l'action de placer des ouvriers. Ah! Enfin, une action différente de construire un bâtiment. Mais enfin, c'est pas forcément pour m'arranger. Puisque là, combien elle a d'icônes nobles? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Avec 2 pierres. Et pour 8, elle peut placer 4 ouvriers d'un coup. Eh ouais. Pas gêné. Alors, 4 ouvriers d'un coup, ça va être ici sur ce premier niveau. Voilà. Qui est fait. Donc, elle en déplace un au deuxième niveau. Elle va retourner une dette ou un acte de propriété. Elle va retourner donc, eh bien, une dette. Ce qui va lui faire gagner immédiatement une ressource. Quand elle retourne une dette, d'ailleurs, elle gagne une vertu. Boum. Et quoi d'autre là? Oui, voilà. Donc là, ici, c'est fait. Et elle décale un ouvrier de chaque côté. Voilà, ok. Voilà, je crois que c'est fait. Par contre, elle va résoudre sa collision. Elle va récupérer une ressource. Ainsi que un acte de propriété. Par contre, là, il n'y en a vraiment plus beaucoup. Plus une dette. Voilà. Et moi, est-ce que j'ai des icônes criminelles sur mon plateau? Non. Donc il ne se passe rien. On remet les marqueurs au début. Et il reste 2 actes de propriété, me semble-t-il, là-haut. Ouais. D'accord. Donc la fin de partie est pour bientôt. Il faut vraiment que je me grouille là. Il faut que je dépense mes ressources désormais. 1. Je décale ça. Là, grâce à ma prêteuse sur gage, j'ai un effet de sortie. Je vais retourner une dette ou un acte de propriété. Ben, je vais retourner justement une dette. Je vais aller gagner un or. C'est toujours ça. Et qu'est-ce que je vais jouer comme carte? Qu'est-ce que je vais jouer comme carte? Là, qu'est-ce que je vais aller faire comme action? Je suis ici. Je vais certainement. Attendez, je regarde un petit peu. Paire d'ouvriers au château. J'ai combien d'ouvriers au château? 2, 4, 5, ouais. 2 points, c'est nul. Est-ce que je vais aller. Ouais, je voudrais bien aller transcrire un manuscrit d'une couleur différente. Il faudrait que je me déplace de 1, 2 cases. 2 cases. Je vais jouer le moine, je pense. Ouais, je vais jouer le moine. Voilà, immédiatement. Non, pardon. Ouais, immédiatement, je gagne une vertu. Je vais. Me déplacer de 2 cases. Je suis ici, je vais faire 1, 2. Je vais aller transcrire ce manuscrit. Il me faut 3 icônes clergé. J'en ai une, 2, plus un encrier égale 3. Donc je transcris ce manuscrit à ruban noir, c'est pas un problème. Voilà. Et immédiatement, ah, je gagne un acte de propriété. Ah mince, ouais, d'accord. Bah écoutez, je vais le prendre. Voilà. J'aimerais bien les retourner quand même. Ok, voilà qui est fait. Est-ce que je recrute la princesse? Immédiatement, je gagnerai une vertu. Non, je vais pas le faire. Ok, je vais repiocher mes cartes. J'ai peur d'avoir pas assez de temps pour aller dépenser mes ressources. Ok, donc je vais faire ça. Ah ouais, j'ai l'évêque là à nouveau. Ok, d'accord. Allez, c'est à l'IA de jouer.
J'espère qu'elle va pas déclencher la fin de partie maintenant. Une icône criminelle, elle va gagner comme corruption. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Elle va ici, ça fait quoi déjà? Ah ouais, elle rajoute une carte planification future là. Et quand elle fait cette action-là, elle gagne une vertu. Ok. Elle va déplacer son vicomte d'une case ici. Et elle va faire son action privilégiée qui est de rajouter une carte planification future. C'est marqué là. Sur sa défausse. Lorsqu'elle fait ça, elle gagne une vertu. Voilà. Et ensuite, elle retourne une dette ou un acte de propriété. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Elle va retourner une dette, ce qui va lui faire gagner une ressource. Une ressource. D'accord, voilà. Et lorsqu'elle fait ça, en plus, elle gagne une vertu. Et elle va aller récupérer une ressource. Alors, ça, c'était son action. Ouais, c'est ça. Donc, désormais, on résout la collision. Elle gagne une ressource, une dette, un acte de propriété. Et ben, c'est la dernière. Comme par hasard, tu vois. Voilà, j'en étais sûr. Ainsi qu'une dette. C'est abusé. Et moi, est-ce que j'ai des icônes criminelles sur mon plateau? Non. Donc, on fait ça. Alors, je vous montre. La carte prospérité a été révélée. Donc désormais, il reste une manche à jouer. C'est-à-dire que ça va être mon dernier tour. Voilà. Et le joueur qui aura retourné le plus de dettes marquera 12 points, le deuxième 4 points. Autant vous dire que les 12 points sont pour lire. Et c'est mon dernier tour. Ah bah super. J'ai accumulé des ressources de partout, je ne pourrais pas aller les dépenser. Bon, allez. C'est pas grave. Il m'aura manqué 2-3 tours là. Hop, qu'est-ce que je vais jouer du coup? Et je vais essayer d'aller placer un max d'ouvriers, remarquez, ça va me faire des points. Ou alors, je vais aller récupérer peut-être. Je vais aller récupérer. Ouais, je vais peut-être faire ça. Je vais jouer l'évêque. Je vais aller dépenser mes encriers. Hein. Je vais jouer l'évêque. Je peux me déplacer 3 cases. Alors, je vais tourner autour du plateau. Allons-y. 1, 2, 3, je vais dépenser 1, 2, 3, je vais dépenser 3 pièces de plus, puisque c'est mon dernier tour, après tout. Hein. 3 pièces pour me déplacer de 3 cases supplémentaires. 1, 2, 3, je vais aller récupérer ce manuscrit qui coûte 4 icônes. J'en ai 4 sur mon plateau. J'ai même pas besoin de dépenser d'ailleurs mes encriers. Donc je transcris ce manuscrit qui est ici et qui me donne déjà un bandeau jaune. Et la possibilité de placer immédiatement deux de mes ouvriers sur le plateau. Alors, je suppose que je dois les placer là. Hein. Je suppose que je dois les placer ici. Bah écoutez, je vais le faire. Ouais. En fait, après vérification, je les place où je le souhaite. Mais en vérité, je vais les placer là. Ce qui me permet de monter un ouvrier au deuxième niveau. Je vais gagner une pierre, un encrier. Voici. Et je décale un ouvrier de chaque côté. Voilà qui est fait. Bon, bah écoutez, c'est pas mal. Je pourrais recruter le tailleur sur pierre, mais non. Le tailleur de pierre, pardon. Non, puisque je n'ai plus qu'une pièce. Et je vais repiocher et c'est la fin de mon tour. Voilà. Et je pense que ça va donner un score, mais alors complètement déséquilibré. On va voir. L'IA, il lui reste un dernier tour à jouer. Tac. Tac, on décale. Voici pour l'IA. Elle va gagner une vertu. Elle va éliminer le villageois qui se trouve près d'elle, c'est-à-dire ici la conspiratrice. Elle va donc immédiatement. Alors là, quand elle fait ça, elle gagne une vertu. Voilà. Ensuite, elle va se déplacer de 4 cases. Alors, ouais, se déplacer de 4 cases. 1, 2, 3 et 4. Et elle va chercher à transcrire un manuscrit, elle aussi, tiens. Alors, je pense qu'elle n'aura pas de difficulté. 1, 2, 3, 4, 5 icônes. Il lui en faut 3. Donc, il n'y a pas de souci. Elle transcrit ce manuscrit. Elle gagne 4 pièces. Lorsqu'elle gagne 2 pièces, elle gagne une ressource au choix. Donc, 4 pièces, ça va lui faire 2 ressources. Voici.
Et bah, c'est terminé pour l'IA, il n'y a pas de collision. Donc on va pouvoir passer au calcul de score final. Et pour ça, donc je vais prendre un petit papier là pour noter les scores. Alors moi, je me fais pas d'illusions, hein, ça c'est sûr. Et l'IA. Alors d'abord, on va aller compter les bâtiments construits. Moi c'est simple, j'en ai construit aucun. En ce qui concerne l'IA, alors, elle a deux maisons des corporations, ce qui fait déjà 13 points. Elle a un comptoir. Bah oui, c'est ça. Un comptoir, ce qui fait 4 points. Donc ça fait 13 et 4, 17. Et elle a ses trois ateliers qui font 9. Donc ça fait 26 points pour l'IA. Voilà. Ok, ça commence comme ça. Ensuite, les ouvriers au château. Ah, là par contre, je marque quelques points. On va aller voir. Un point pour chaque ouvrier au premier niveau. 2 points pour chaque ouvrier au deuxième niveau. Et 3 points pour un ouvrier au sommet du château. Mais il n'y en a pas là pour le moment. Alors, moi je suis en rouge. Je vais avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 points. Je vais le noter. L'IA va avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 points. Bon, allez, là je reprends 3 points. C'est toujours ça. Les manuscrits transcrits. L'IA a une série de 2 manuscrits transcrits. Et une série de 2 manuscrits transcrits, ça lui fait 4 points. Moi, j'ai une série de 4 manuscrits transcrits avec des bandeaux de couleurs différentes, ce qui me fait 16 points. Alors là, je lui reprends quand même quelques points. Alors, 16 pour moi, 4 pour l'IA. Voici pour les manuscrits. La carte maître du château, personne ne l'a. Les cartes bonus clergé, personne non plus. Ensuite, les dettes non payées. Alors moi, j'en ai pas. Elles sont toutes retournées. L'IA a une dette non payée. Moins 2 points. Ah, quand même. Ok. Ensuite, les actes de propriété acquis et retournés. Alors, là, 1, 2, 3, 4, 5, ça fait 15, 16, 17, 18 points pour les actes de propriété de l'IA. Moi, je marque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, c'est dommage que j'ai pas pu les retourner, hein. Ok, voilà qui est fait. Ensuite, la carte prospérité qui a été révélée. Le joueur qui a le plus retourné de dettes marque 12 points et le deuxième joueur 4 points. Donc là, l'IA a retourné, je le vois d'ici, 2, 4, 5 dettes. Moi, j'en ai retourné 2. Donc, elle va marquer 12 points. Et moi, 4 quand même. Voici. Et puis en plus, pour l'IA, il reste un truc à calculer, c'est un point par ressource qui lui reste. Alors je pense que ce n'était pas nécessaire. Hein. 2, 4, 6, 8 points pour l'IA ici. Voilà, on va faire ce petit total hein, pour la forme. Alors moi, ça me fait 26 et 4, 30, 38 points. Bon, ce qui n'est pas un gros score, hein, je vous dirais. Hein. Voilà, alors c'est dommage, hein, il me reste plein de ressources finalement en fin de partie. J'ai manqué de ressources au début du jeu, en fin de partie je termine avec plein de ressources, mais bah j'ai pas eu le temps de les utiliser, j'ai peut-être joué un peu à contre-temps. Alors pour l'IA, combien de points? 26 et 7, 33, 37, moins 2, 35, 35 plus 20, 53, 53 et 12, 65 et 8, 65 et 8 égale 73 points. Voilà. Donc le score final de cette partie en solo, eh bien écoutez, c'est sans appel. 73 points pour l'IA, 38 points pour moi. Mais enfin bon, écoutez, j'ai pris quand même beaucoup de plaisir à jouer à ce jeu, parce que je l'aime beaucoup, hein, vous le savez maintenant si vous avez suivi notre partie à deux joueurs. Hein, je l'apprécie pas mal ce jeu, hein, je le trouve vraiment intelligent, des mécaniques vraiment sympas. Mais alors là, l'IA, bon, c'est ma deuxième défaite, et la première avait été peut-être moins importante. Cela dit, mais quand même, je m'étais pris une grosse tôle aussi. L'IA est un peu chaud quand même, peut-être, voilà, je ne sais pas. Il y a manière de progresser, j'ai mal joué, hein, on le voit donc. Hein. Il me reste 2, 4, 6, 7 encriers, 4 or. Ça compte pas de points en fin de partie. J'ai perdu pas mal de temps en fait. J'aurais dû aller rapidement aller transcrire les manuscrits. J'ai placé quelques ouvriers au château. J'ai fait un petit peu ce que j'avais dit au début, hein. Mais pas assez vite, je pense. Pas assez vite. Voilà. Mais en tout cas, ça vous a permis, cette vidéo, je pense, de découvrir comment fonctionne le mode solo de Vicomte. Et vous voyez que,
Après, une partie simplement, et le temps de s'habituer aux icônes, notamment les actions de l'IA, et eh bien vous voyez que c'est super rapide, hein. C'est super fluide, et ça se joue très très bien. Par contre, voilà, peut-être qu'il faudrait que les points marqués par ces ressources en fin de partie soient donnés plutôt aux joueurs, hein, adverses, plutôt qu'à elles-mêmes, parce que là, bon, bref, et encore ça n'aurait pas suffi, hein. Voilà. Bon, bah écoutez, c'était donc ma partie solo. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce. Et puis, n'hésitez pas à partager cette vidéo, hein. Voilà, donc je vous remercie de l'avoir suivi. Je remercie à nouveau l'éditeur Pixie Games de nous avoir envoyé ce superbe jeu. J'aime beaucoup. Merci beaucoup à Pixie Games. C'est très généreux de leur part. Et ça nous a permis là de vous présenter un unboxing, une partie en duo, une partie en solo. Je crois qu'on a fait le tour en termes de Vicomte du Royaume de l'Ouest. Même si c'est un jeu qu'on rejouera en vidéo certainement à l'occasion, avec grand plaisir. Et moi, je vais y rejouer là assez vite, je pense, de mon côté. Parce que j'aime beaucoup. Essayez de prendre ma revanche contre l'IA. Allez, je vais essayer. Hein. Je ne vais pas rester sur une défaite comme celle-ci. Ce serait dommage. Essayez au moins de battre mon record, hein. Mon score, pardon. Voilà, donc n'hésitez pas à vous procurer le jeu sur le site de Play in Magic Bazaar via le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Ainsi, de cette façon, vous soutiendrez également la chaîne, mais en plus, vous vous ferez plaisir parce que vous allez pouvoir jouer à ce génial jeu. Et puis, n'hésitez pas à nous soutenir aussi sur Tipeee, Vincent et Mister Lou, à suivre notre actualité sur Facebook, Vincent et Mister Lou. Et puis, je vais vous dire à très très vite pour de nouvelles aventures dans le royaume de l'Ouest ou ailleurs, je ne sais pas. On verra bien. Et d'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Ciao, ciao!